Bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la partie numéro 6 du Let's Play de God of War Ascension. Alors après l'épisode 5 assez foireux dans le sens où j'avais une énigme assez compliquée, là on commence dès le début avec on va dire un boss fight que j'espère réussir, qui me fait beaucoup penser au combat de Hermès il me semble sur God of War 3, en moins bien je trouve pour l'instant. On verra comment ça donne plus tard, que je suis mort plusieurs fois dans la vidéo numéro 5, du coup je sais de quoi je parle. Et puis voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une simple question. Elle est toute simple. Quel âge a Kratos, à votre avis? Moi, Kratos, je lui donnerais 36 ans. Voilà. Tout simplement, 36 ans. Après, à vous de me dire, même si vous ne savez pas, vous le dites au hasard, n'allez pas sur Google, ça sert à rien. Enfin, c'est ridicule de donner une réponse comme ça. C'est juste comme ça, un avis. Dites-moi en commentaire, quel âge a Kratos, à votre avis, tout simplement. Merci. Vous pouvez mettre, un petit like, ça me ferait super plaisir et ça me récompense de mon let's play que je vous fournis et je vous demande rien d'autre. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà, donc artefact, objet, c'est parti. Alors, hop. Comme je vous ai dit, on se retrouve contre, on va appeler ça le gardien de l'oracle, qui a une sorte de vieux, enfin de fœtus bizarre sur le bide. Voilà, c'est là où je vous dis qu'il ressemble beaucoup à Hermès, enfin, au niveau de la vitesse et du fait de disparaître. J'essaie de me concentrer pour ne pas mourir. Voilà, putain, j'ai de la chance. Quelle arrogance! J'ai failli crever. Oh là là, magnifique! Allez mon petit singe de Kratos. Pff, on a réussi. Je suis très fier de moi. Ah bah elle est morte. Ou elle est dans les vapes. Au choix. Will la ken, il se repose. Au choix aussi. À vous de savoir. Il est plutôt têtu celui-là, on dirait. Son obstination ne lui fera que perdre la vie. Allez, viens te battre un petit peu, viens. Oh là, mais. Voilà. En fait, tu sais te battre. Je vais prendre les lames d'Hadès. Enfin, le pouvoir d'Hadès plutôt. Ok, ça peut me faire perdre ma garde. Allez, là, je dois pas vous décevoir ce que j'avais fait. Une pittoresque partie numéro 5. Donc celle-ci, je vais lui montrer c'est qui Nasserubidou. Voilà. Ouais, j'ai vraiment eu de la chance les potes. Allez. C'est-à-dire qu'on avance dans le combat. Et... Hop là. Allez, on est bien parti, on est bien parti. Je pense qu'on a déjà fait perdre la moitié de son énergie. Voilà, petit coup d'épaule, tranquillou. Oh zut. Là j'avoue.
Ok, j'ai compris. En fait, quand je suis dans la zone verte, eh bien, je suis tout lent. Ok. Le coup du R1, faut le ramener vers moi, ça ne marche pas. Ah mais... Tu vas vraiment, je te jure à la fin, j'espère qu'on va te tuer mais vraiment violemment. Jamais je ne te laisserai continuer. Ah ouais. Tu ne vaincras jamais. Tu vas bientôt mourir. Bien. Meurs, guerrier marqué. J'essaie de capter un petit peu le délire. Hein. Maintenant, j'esquive, mais... Peut-être qu'il va être saoulé de... De toujours devoir ou pas. Donc pour l'instant, je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. À part aller vers lui. Ils partent. Ok. Et voilà. Ah merde, 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 merde. Ouf. Ah mais lui c'est vraiment un combat de lâche. En fait. Ok, faut que j'en profite. En fait, je te préférais en haut, quoi. Tu veux pas me donner un peu d'énergie? Ça serait gentil. Oh non! Oh non! J'espère qu'ils vont remettre au moins la moitié, s'il vous plaît. Ne faites pas vos méchants. Question de se remettre depuis le début. Bon, après j'ai compris. Ah bah ça va, ils sont cool. C'est pas grave. Fais ce que t'as à faire. Je te jure, mais... Je ferai tout pour te... Ça, je l'ai pas fait aussi tout à l'heure. J'ai lancé des fichus cailloux. Merde. Voilà, bien entendu. Voilà. Tu vas comprendre ta douleur. Je sens que tu as bout de souffle. J'étais pas loin de le tuer tout à l'heure, je pense. Vite, esquive. Oh bien joué. J'essaie de éviter d'être trop proche du mur. Là, il me fait vraiment penser à Hermès, mais niveau... Plus combatif en tout cas.
Allez, sauvegarde en cours et je te promets que je vais te mettre une fessée. Castor, mais je vais te castrer, moi. Oh, là, c'est moi qui tape. Allez. Oh. Voilà. Gros patate. Pouf. Crois battre Kratos. Ah, il est devenu vieux. Je suis là de l'incompétence de mon frère. Elles sont frérots les deux. D'accord. Ok, j'ai un peu compris son roulement. Là, il va taper. Même pas. En fait, il m'a fait mentir. Peut-être quand je suis proche de lui qu'il fait ça. Je pense qu'ici, on est bien. La musique, elle est... Voilà, c'est épique, c'est combat, c'est... Ah, je veux pas que je reste trop près de lui aussi. Attendez, où c'est ce que je vais faire? Je sais pas que j'ai bien utilisé. Oh, merde. Il n'y a pas de cailloux par terre? Ah ouais, c'est... Hop. Ça me redonne un petit peu de vie. Et il n'y a pas de deuxième, ok. Il faut aller. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, mais ça garde pas ça. Allez, je sens que là, il a la main. Ah non, 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 non. Oh là, et là, il va... On me torturera si jamais j'échoue. Oh my god! Oh, qu'est-ce qu'il est? Oh my god! Vous savez ce qu'il lui a fait? C'est tout ce qu'il méritait. Et j'avoue, elle est même pas mort en plus. Oh bah là, mon petit père, avec tout ce que tu m'as fait part comme tant que tes énigmes à la con, parce que bon, je mets la faute sur lui. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Allez. Oh bah d'accord. C'est quoi, il est comme ça, Kratos. Ah, soulagement. Vraiment un très gros soulagement. Moi, je l'aurais tué lui aussi, là. Enfin, je l'aurais découpé en deux. Rien que pour le plaisir, parce que tout ce qu'il m'a fait endurer...
Par contre, l'oracle, je pense qu'elle est dead. Je penche. Ah bah. On va en avoir le cœur net. Mais là j'ai un petit peu trop tout remis quoi. Non. Oh, attendez, il n'y a pas de trou ici. Hop. Approchez-vous. Non mais là je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Approchez-vous des objets en surbrillance. Mais. Ok. Faut vraiment... Attendez, faut que je comprenne un peu ce pouvoir. Voilà. Je pense que là, on peut faire quelque chose. Et une fois qu'on... Attendez. Voilà. Déjà, on va voir ce qu'il y a au bout. Ce serait pas mal. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ensuite. Voilà. Des fois c'est bizarre, vous avez vu, j'étais au bord, ça veut pas, mais quand je suis ici, ça veut. Allez comprendre. Vite, allons voir ce qu'a eu l'oracle. Ah, un petit peu vivante. Peut-être juste pour me dire ce que j'ai envie d'entendre. Par contre, j'aurais bien aimé voir s'il n'y a pas un petit coffre ici. Non, parce qu'il y a un truc là. Bref, c'est pas grave. Alors. Allez, tes gars. La relique que tu portes n'a pas d'effet sur moi. Alors je ne peux rien faire pour vous. Ne t'inquiète pas. J'ai parfaitement conscience de ce qui m'attend. Parce que j'ai attendu ce jour. Tes idées sont confuses. Et ton esprit tourmenté, guerrier. Je le ressens. Tu cherches la vérité. Oui. Écoute-moi. Mais souviens-toi, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Ennemis, innocents, famille. Ce qui est fait, est fait. C'est impossible de l'effacer. Non. Les Erini corrompent ton esprit parce que tu ne respectes pas ton pacte avec Arès. Rien de ce que tu feras pour résister ne les arrêtera. Alors l'ombre disait vrai. Les intentions d'Orcus sont pures. Orcus? Mais c'est une Erini. Et il aura son rôle à jouer un jour. Mon heure approche. Pour te libérer de la folie qui s'empare de toi, tu dois vaincre ceux qui gardent le joug qui t'unit au dieu de la guerre. Comment puis-je vaincre les Erini alors que je suis perdu? Sur l'autre rive, la lanterne de Delos renferme les yeux de la vérité. Delos.
trouve les yeux, et ils te montreront le chemin de la liberté. Oh oui, caresse là. Avec ta petite lame. Bah voilà. On nous a expliqué, c'est bien maintenant. On avance un petit peu plus dans l'histoire. Parce que tout simplement, c'était vrai. Moi, je trouvais l'histoire assez. Plutôt comme ça. Bon. Peut-être sauter tout simplement. Je trouvais l'histoire. Je suis passé par là pour essayer de faire quelque chose. Bah, assez simple. Ils n'avaient pas trop expliqué le comment du pourquoi vraiment. Moi, j'attends des réponses à pas mal de choses. Mais j'ai peur que dans ce God of War, bah, en fait, ça nous apporte pas les réponses qu'on se pose. C'est un peu le God of War qu'ils ont voulu faire. Bon, en racontant, pardon, un petit peu le passé de Kratos. Mais voilà, c'était pour combler un petit peu. Voilà. Allez. Faut qu'on sorte un God of War avant la fin de la PS3. Pour moi, après, on verra bien. En tout cas, ça me fait très plaisir de le faire. Oups, juste un peu déçu au niveau de mes fails. Je meurs beaucoup. Et je suis un petit peu déçu parce que je voulais vous proposer quelque chose de vraiment sympathique. Bon, ça reste sympa, je pense. Mais je meurs beaucoup, du coup, bah, c'est un petit peu chiant quand même. Aïe! On va passer par là. Voir s'il y a un petit truc sympatoche. Oh bah c'est là. C'est la maison du destin ici. Maintenant avec ce pouvoir, je pense qu'on peut. Merde. C'est bon, c'est bon. Je pense qu'on peut ouvrir les coffres qu'on avait vus au tout début. Je sais pas si vous vous souvenez. Et je suis sûr que dans ces coffres-là, il doit y avoir des yeux de gorgone ou des plumes de phénix. Les coffres cassés, je sais plus comment ils avaient appelé ça au début du jeu. Par contre, c'est pas très bien fait. Enfin, je voyais pas s'il y avait un trou ou pas. Mais bon. Maintenez L2, puis carré. Ok. Moi, je voulais voir ce que ça faisait. Ah, ça fait de la magie, forcément. Elle se régénère en fait à là à gauche. Enfin, désolé, je regardais. Voilà. Ça fait mal de se manger un bouclier, hein, vous avez vu? Vous allez manger toute ma colère, je vais les dire. Allez, c'est là, c'est pour tous mes abonnés qui regardent ce let's play. Et les deux prochaines morts sera pour vous aussi. Voilà, celle-là, elle est pour tout le monde. Et toi, tu vas déguster. Et voilà. Ces petits finishes sont pour vous. Pour le fait que je me débrouille pas trop mal. Par contre, la tête, la grosse tête là. Non. Je sais pas. Bizarrement, j'aurais cru qu'on aurait pu la péter. Mais non. Là, par contre, au niveau architectural. Quel mot compliqué à sortir à 3h du matin. Parce que oui, il est 3h du matin. Certains diront, ouais, mais pourquoi tu fais tes vidéos aussi tard? Tout simplement parce que bah, j'ai l'habitude de jouer à cette heure-ci, tout simplement. Allez, on va tout reconstruire là, je pense. Parce que en journée, je bosse. Quand je rentre, je mange. Après, exemple, ce soir, il y avait le foot. Milan AC Barça. Et Schalke 04 Galatasaray. Que je regardais. Je vais pas regarder le Milan. Et le Barça, ça m'intéressait pas tellement en fait. Et du coup, bah, je regardais ça. Après, c'était fini. Je regardais une série qui s'appelle Grimm avec ma maman. Parce qu'elle adore cette série. Moi aussi, j'aime beaucoup. Qui passe sur NT1, je vous la conseille fortement. Donc on a regardé ça, après elle est assez endormie. Moi je regardais, comment on s'appelle, New York Police Judiciaire sur
TMC, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà. Après, on s'est retrouvé ici. Oui, je vous raconte ma vie, mais au moins, vous savez ce que je fais. C'est un peu une sorte de jardin secret, mais let's play. Oh oui, jardin secret. S'il me donne cette chose, c'est pour vraiment affronter de la meilleure façon. Par contre, allez, on se les fait les deux. J'adore le... Franchement, je vous jure, j'adore le bruit de la petite biquette qui est en train de se faire démonter. Par contre, le pouvoir, la rage là, je trouve ça pas terrible du tout, le fait que voilà, ça dure deux petites secondes. Ce qui est bien, c'est que quand on tape, elle augmente, mais quand on se fait toucher, elle diminue. C'est con, mais croyez-moi que ça a son importance. Ah bah j'aurais bien voulu la noyer. Bah, en quelque sorte, c'est ce qu'on a fait. Allez. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de trucs comme ça à faire. Là, je me dis que c'est un peu beaucoup. Tout simplement parce qu'on vient d'acquérir le pouvoir. Du coup, voilà, il nous montre un peu les fonctionnalités, pardon, et comment utiliser ça, etc. Mais j'espère qu'au fil de l'histoire, on aura... Voilà, ce sera pas dès qu'il y aura un pont qu'on devra faire ça, sinon ce sera un petit peu dommage. Voilà. Et moi qui parlais de pouvoir, bah voilà, on a gagné. Hein. Et moi je veux mon arc, hein, jeu de Gorgon. Tadana. De la vie les amis, de la vie. Il me semble qu'on peut upgrader encore deux fois, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, j'aurai pas tous les yeux, toutes les plumes, parce qu'il y a des coffres que j'ai loupés au début. Parce que voilà, je voulais pas trop vous faire perdre du temps à tout chercher. Par contre, je suis un petit peu déçu. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de trophée sur la difficulté. Pour un God of War, c'est assez étrange. Oh là. Et fichtre. Les clés bas. C'est pas la journée. Là, je trouve ça pas sympa du tout. C'est bien sympa, pardon. Pas sympa du tout. Mais sauf que si, que c'est un truc assez fun. Surtout pour les gros boss comme ça. Ça permet de les calmer un petit peu. Ils sont bien relous. Ah. Bon, les clébards. Parce que je vous aime. C'est pas que je vous aime pas, mais. En fait, si, je vous aime pas. Voilà. Tu veux encore des coups? Arrachage de mâchoire. Qui va aller chez le Lantis? Venez voir Kratos. Ça va vous faire du bien. Voilà le petit bug. Je suis un hologramme. Mais qui a volé l'orange? L'effet d'eau, j'aime bien. Bon, moi ce que j'aurais bien aimé, ce que j'espère, encore une fois, je vais parler de la PS4 parce que c'est dans l'actualité de toute façon. Moi, par exemple, voilà, vous voyez l'eau, bah, on a combattu le mec, il y avait du sang. Moi, ce que je veux voir plus tard, c'est que, genre, bah, l'eau devienne un peu, vous voyez, sanglante. Parce que... tout simplement parce qu'on a tué des gens, des chiens et compagnie. Donc ça aurait été sympa. Bon, après, c'est peut-être compliqué à faire, hein. Ça, je dis pas. Je dis juste qu'est-ce qui aurait pu être sympa. Après, je crache pas non plus dans la soupe, hein. Je dis pas qu'il est nul ou quoi que ce soit. Attention à ne pas dire ce que j'ai pas dit.
On va essayer de repasser par l'autre côté. J'ai l'impression qu'ici qu'il y a un petit truc de toutes les prophéties que j'ai connues. C'est celle-ci qui me hante mes rêves. Véhicule. Ok. Ça, j'ai déjà vu ce tableau, il me semble. Hop. C'est assez pratique en tout cas à ce niveau. Notre petite amulette. Prenons-nous dans les bras, tenons-nous la main. Oui, je remixe les phrases, hein, vous inquiétez pas. Oh, toi, j'ai envie de te pincer les tétons. Où est ton petit bidou? Et ta petite... Oh non, ça fait longtemps que je les ai pas vus, ces mouches à merde. Je m'avais pas manqué du tout. Hein. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je me débrouille bien, bien mieux que la toute première fois. Ouais, suffit que je dise ça. On l'a pas fait depuis Niche Move. Enfin, en fait, il y était, mais. Oh, il n'avait pas encore d'autres bestioles. Ah, si, putain. Vous n'aurez pas pu arriver plus vite, histoire que je fasse des 100 hit combo. Voilà, dans toutes les énigmes. Enfin, même si c'est pas une énigme, ça. Vous pouvez pas le dire à chaque fois, s'il vous plaît. Genre, Nasser, eh bien, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Voilà. Hop. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. Et voilà. Elle est toute belle comme ça. Alors. On va top gratis quand on t'a rien mis pour l'instant. Alors, un, deux, ouais, encore deux nouvelles choses à découvrir. On verra bien ce que c'est un peu plus tard dans l'histoire, bien sûr, bien entendu. Merde, j'ai fait l'erreur. C'est qu'il faut pas lâcher L2. Ah, qui aimerait pas avoir cette amulette dans la vraie vie? J'aimerais bien. Surtout pour dégrader. Pas pour reconstruire, parce que bon, généralement tous les trucs sont construits, mais pour dégrader. Pas pour faire de la violence ou pour être méchant. Mais pour voir ce que ça fait. J'irai dans un désert où il n'y aura personne que moi et moi. Il y a une maison comme ça, il n'y a rien. D'accord. Ouh là là. Ah oui, j'aime quand je caresse le mur. On a combien de minutes? Oh, 33. Donc il nous reste à peu près une bonne dizaine de minutes à parcourir ensemble. Là, en plus, je sens que ça va devenir assez intéressant. Enfin, le décor, ça me plaît beaucoup plus qu'être enfermé dans un truc tout noir. Bref, c'est pas que j'aime pas être enfermé, hein. J'aime ça. Mais non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La source Castalie de Vef. Ok. Cette porte est bloquée par un éboulement. Ok, on peut pas le. Bon, on va passer par là.
Ah, une petite énigme pour la fin. Qui avait dit que ça nous manquait pas? Dites-moi. Franchement. Ah, c'est à moi de jouer parce que je me disais, c'est bien beau une cinématique. On n'est pas passé par là au tout début, une grande roue comme ça. Sur l'état, on est d'ici, non? Je me souviens lui. Ouais. Je suis peut-être fatigué. Ah. Mais il me semble qu'on était passé ici en début de jeu, si je dis pas de bêtises. Après, j'en dis peut-être, hein. La 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 la. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Sans doute tirer ça déjà. Mais... Ok, donc en fait c'était peut-être pas une énigme en fait. Quand j'ai énigme. Ah oui, compris. Ah oui, voilà, moi je veux le truc vert là. Merde, vite! Dépêche-toi, moussaillon! Putain, la chance! Ouais, mais là, ça nous fait revenir eux-mêmes, quoi, non? J'essaie de comprendre, hein. Vous inquiétez pas. Et ça retombe tout de suite, ça. Ok. Alors, voyons voir. Y a un truc qui m'a interpellé en fait. Faut se mettre où pour... Non, il veut pas... Attends. Un truc m'a interpellé. Ça, ce sera... En fait, on peut pas utiliser le pouvoir pour l'instant. Peut-être seulement qu'on est en haut. J'essaie de l'activer, mais ça veut pas. J'essaie juste d'en regarder un truc, en fait. Voilà, ici, tout tombe, on est d'accord. Non, ça veut pas, peut pas activer d'ici. Allez, non. Tu veux pas quand je suis dessus?
En fait, ça active vraiment tout. Assez réfléchi un petit peu comment ça pourrait se passer. Peut-être par rapport à un truc comme ça, non? Enfin, je sais pas, c'est. Machu Picchu, Machu Picchu. Attendez. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver ici. Pas possible sinon. Ah mais voilà, c'est moi qui suis pas assez rapide en fait. Ah mais attendez. Attendez, attendez, attendez. J'ai peut-être compris dans ma petite. Je viens de voir un truc qui vient de me faire comprendre le système peut-être. Mon cerveau ne bouillonne. Bon. Vous voyez, ça là. Vous voyez ça. D'accord. Eh bien, si ça. Parce que ça me semblait bizarre que ça se remette. Vous voyez, regardez. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de vous montrer. En fait, faut me laisser le temps de réfléchir. Ouais, je pense qu'on est tous comme ça. Il y en a peut-être qui avaient déjà compris ce qu'il fallait faire. Moi, il faut me laisser du temps. Avec le temps, on arrive à tout. Et maintenant, je pense qu'on peut tout remettre à sa place et ça va nous monter tout en haut. Est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que j'en dis pas? L'avenir nous le dira. Ok. Attendez, je. Ah oui. Ça fait plaisir en tout cas de réussir quelque chose comme ça par mes propres moyens et sans vous faire attendre. Pourquoi il fait ça? Ok. Bricoleur. Nacero, bricoleur. Ah ouais, c'est pour aller en bas, d'accord. Ouh, le beau coucher de soleil. Ouh, oh. Alors, où ça va nous mener? Est-ce qu'il y a une petite save, s'il vous plaît? Et eh bien voilà, la grotte, nouvelle sauvegarde. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait bien 44 minutes qu'on discute, qu'on partage un moment ensemble. Donc cet épisode numéro 6 du Let's Play de God of War Ascension se termine, j'espère qu'il vous aura plu, parce que il y aura eu un très boss fight, un très bon boss fight en début de vidéo, des énigmes que j'ai réussi à résoudre plus rapidement que d'habitude. Bon, c'était toujours lent, mais...
À la fin du jeu, je pense que je réussirai à résoudre des énigmes assez rapidement. Dites-moi si vous avez réussi à résoudre ça plus vite que moi. Qui sait? On verra bien. En tout cas, moi je vous dis, mettez un petit pouce vert, ça me ferait super plaisir, enfin le like, quoi, vous avez compris, de répondre à mes questions. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout.